Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un sketch parce que vraiment c'est, je pense, les vidéos que je préfère faire sur ma chaîne et je sais que vous les aimez beaucoup et que vous m'en demandez aussi beaucoup, donc voilà, je pense que ça va vous faire plaisir et j'adore vraiment faire ces vidéos. Juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai ouvert une boîte postale, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer tout le courrier que vous voulez pendant un mois. Du 7 juillet au 7 août, cette boîte postale est ouverte et ensuite je recevrai tout votre courrier et je pourrai vous répondre. Pour toutes les informations, la vidéo est en barre d'informations et va s'afficher dans le petit i juste en haut. Je voulais juste rectifier parce que je me suis trompé, elle n'est pas ouverte jusqu'au 7 septembre mais jusqu'au 7 août, donc vous avez uniquement un mois pour m'envoyer tout votre courrier. Voilà, j'ai hâte de vous lire, mais ça j'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Deuxième petite chose, je pensais faire deux vidéos par semaine pendant les vacances, tous les mercredis, tous les vendredis, comme j'ai fait toute l'année, sauf que finalement j'ai réfléchi et non, je veux un petit peu décrocher des réseaux sociaux, de YouTube et juste profiter de mes vacances. J'adore faire mes vidéos, je me force pas du tout, mais voilà, j'ai juste envie de les faire quand j'ai envie, de les publier quand j'ai envie, sans m'imposer de rythme, sans aucune obligation, juste par passion, par plaisir, partager quand j'ai envie, vous prévenir. Je vais pas non plus poster qu'une vidéo par mois, je posterai je pense à peu près toutes les semaines quand même, mais voilà, quand j'ai envie, quand la vidéo est prête et quand j'ai envie de la partager. Je vous donnerai quand même très souvent des nouvelles sur les réseaux sociaux, donc voilà, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas, ils sont tous en barre d'informations. Revenons au sketch, je vous avais déjà fait un sorcier dans un lycée moldu qui vous avait beaucoup plu et vous m'avez beaucoup demandé de faire une version inversée. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça va être un moldu qui arrive à Poudlard, donc qui va être confronté à un univers magique. La vidéo est tournée sur fond vert, je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que je le maîtrise pas super bien, mais ne vous inquiétez pas, déjà pour le court-métrage, il y a zéro fond vert. Niette. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'attends vraiment toutes vos réactions dans les commentaires à la fin du sketch et c'est parti. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Voilà, je me présente Rodolphe, l'assistant de Dumbledore. Pardon, Dumble quoi? Dumbledore, le directeur de Poudlard. Qu'est-ce que je fous là? Pardon? Hein, non, je me demandais quand est-ce que j'allais rentrer dans la salle. Voilà votre uniforme. Merci, je vais juste crever de chaud en fait. Évidemment, il faut que vous la portiez tous les jours. Oui, oui, ouais, je la mettrai. Votre premier cours sera un cours de métamorphose. De métamorphose, genre je me transforme quoi. Je claque des doigts, c'est magique. Quoi? Vous assisterez à vos premiers cours de potions aujourd'hui même. Ça a l'air génial. Le feu de Dieu. Quoi? Non, c'est encore une expression moldue. Vous assisterez aussi aujourd'hui à vos premiers cours de ballet volant avec Madame Bibine. Pardon? Monter sur un ballet? Oui. Oui, non mais... pourquoi pas? J'ai une petite question, est-ce que le professeur Trelawney est célibataire? Demain aura lieu votre évaluation. Évalué comme à l'école? Oui, en quelque sorte. Vous êtes à l'école? Oui, je sais que je suis dans une école, mais c'est une école un peu particulière, on fait un peu ce qu'on veut, non? Non. Ah d'accord. Demain, buse. Des buses. Un autre problème? Oui, non mais non, ça me va très très bien. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Et sinon, je me demandais pour la cantine. Vous serez servi avec les autres élèves dans la grande salle par nos elfes de maison. Des elfes de maison? Et c'est propre? Genre, ils se lavent les mains avant de... Parce que nous, je sais pas si vous avez, mais on a du gel anti... du truc hydroalcoolique là. Hop, tac tac tac, et après c'est parti pour... Dommage. Ah. Alors, juste, le couvre-feu, ça va pas être possible parce que je suis pas fan. Enfin, je préfère vraiment, genre, traîner dans les couloirs. Ouais, ok. Oh là 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 là. Je vais m'y faire, hein. De toute façon, pas de soucis, c'est juste pour quelques jours. Un jour. Oui, 24 heures. Oui, pardon. Et oui, je voulais vous demander la connexion Wi-Fi pour Snap. Bah, si vous savez, le petit fantôme, là, vous avez les mêmes dans les couloirs. Petit fantôme, et hop là, photo. Non? Alors, je prends vraiment de bon cœur votre papier, je veux bien le lire, mais les directives et tout ça, c'est pas mon fort. Question idiote, j'imagine que s'il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas non plus 4G, donc il n'y a pas réseau. Pas de soucis. Et vous avez un peu de verdure, je crois avoir vu une forêt sympathique. La forêt interdite. Interdite, tout est dit dans le titre. Alors j'ai pu rencontrer le professeur Ombrage, si je dis pas de bêtises. Assez rose. Je me demandais s'ils étaient tous comme ça. Juste pour m'habituer si jamais. Alors j'ai juste dans mon sac des chips barbecue. Ça gêne personne que je... Qu'est-ce que c'est encore? Ah, comme dirait Denis Brogniart. Vous connaissez Denis Brogniart? Non, pardon. Excusez-moi, je m'éparpille. Écoutez, je pense qu'il faut que vous compreniez qu'ici c'est un lieu important dans lequel nous apprenons à nos élèves comment manier la magie. Vous avez l'opportunité de pouvoir venir 24 heures en immersion ici. Tâchez de faire honneur à votre monde de Moldu. Vous ne comprenez pas ou c'est bon? Si, totalement, je comprends et je... C'est juste que je suis trop habitué à mon confort, mais je vais m'adapter vraiment, je vais tout faire pour. Et balai volant, sortilège, potion, métamorphose, transformation, rose bonbon, tout ça, c'est bon. Le ministre de la magie va me rendre visite, oui? Si
s'il veut, s'il a que ça à faire. Oui, bien sûr, pas de souci. Excusez-moi, je veux pas vous interrompre, vous avez un oiseau qui est en train de se décomposer. Femme sec. Ah, c'est normal, ok. Non mais... Et donc, elle, c'est McGonagall. Ah, pardon, McGonagall. Je vous écouterai, vous, tous les profs. Ah non, aucune moquerie tolérée. Oui, non mais on n'a pas... Non, on se moque pas des profs, nous. Non, pas les moldus. Oui, même si un prof fait 1m10. Flic quoi? Flitwick? Ah d'accord. Non, j'aime bien les nains. Les petites personnes. Bah dis donc, ça a pas l'air d'être de la merde. Non, c'est une expression... Comment vous dites? Moldu. Et du coup, ça marche pour de vrai. C'est pas mal. Comme dans Harry Potter. Andoloris! Minerva! Bah, je vais peut-être rentrer parce que c'est peut-être pas fait pour moi. Peut-être laisser ma place, si certains la veulent. Avant de me faire incendier, évidemment que c'est ironique, exagéré, accentué, tout ce que vous voulez. Si j'étais à Poudlard, je ne serais absolument pas comme ça. Je serais juste absolument choqué, ébahi. Voilà, c'est un moldu un peu grognon qui a été envoyé à Poudlard et qui n'y connaît pas grand-chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sketch. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et voilà, ça me fait très plaisir de la partager avec vous parce que comme je vous l'ai dit, faire un sketch, l'écrire, le tourner, le monter, c'est juste génial pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous aimeriez que je fasse comme autre sketch. Toujours dans ce style. J'ai hâte de lire tout ça et de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt du coup, quand je vous le dirai sur les réseaux sociaux, pour une nouvelle vidéo. Et si vous ne voulez pas la rater, vous avez juste à activer la petite cloche de notification juste en dessous. Tout le monde vous le répète, vous devez savoir. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et avec le smile. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, je veux bien mettre mon équipement de serpentard, mais le problème c'est que je suis sur un fond vert. Donc ça va faire un faux raccord.